Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Monsieur le Président de l'Observatoire de la profession d'avocat, Mesdames, Messieurs, chers maîtres, Présidents et Présidentes. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'était un engagement, vous l'avez rappelé. C'est un bonheur d'être là et d'avoir entendu vos expressions successives. Parce que, au fond, j'ai le sentiment que vous portez totalement le flambeau de l'innovation. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que j'avais secoué la profession ou que j'avais bousculé à un moment donné les choses. Je crois avoir partagé des convictions profondes. Mais ces convictions, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, vous les portez et la profession les porte. Parce qu'au fond, on aurait pu s'arrêter à une espèce de classicisme français. J'aurais considéré que d'un côté, il y avait l'innovation qui bouscule le monde, qui serait réservée au domaine auquel on l'assigne, la biotechnologie, la nanotechnologie et tout ce qui s'ensuit. Et de l'autre côté, les métiers du droit, porteurs de la tradition, d'un équilibre immuable, qui auraient pu, au fond, n'avoir rien à voir avec la dite innovation. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que vous avez considéré, et je partage pleinement cette vision des choses, que le droit, parce qu'il est au cœur de nos vies, parce qu'il est au cœur de nos sociétés, de leur transformation, eh bien, il est au cœur aussi de cette grande transformation d'innovation que nous sommes en train de vivre. Et qu'au fond, votre responsabilité, que je viens ici saluer, c'est en effet de comprendre, d'accompagner, de porter dans le bon cadre ce mouvement. Parce que oui, le monde du droit traverse aujourd'hui une grande transformation qui nous impose collectivement d'innover. Cette grande transformation, c'est au fond d'abord celle de notre société, de nos concitoyens. Ce qui fait que lorsque certains prétendent au fond qu'on pourrait vous promettre de vous protéger du changement, ils vous mentent. D'aucuns le font à beaucoup de nos concitoyens dans la société. Je ne crois pas à cette idée. Le changement est là, il est à l'œuvre, et nos concitoyens sont eux-mêmes en train de changer. Ils changent dans leur vie, vous le connaissez et vous le savez, en tant qu'avocat. Les vies ne sont plus les mêmes, les transitions ne sont plus les mêmes, et vous avez déjà accompagné ce grand chambardement de la vie de nos concitoyens durant les décennies passées. Et oui, nous sommes dans un univers aujourd'hui où les trajectoires sont plus éclatées, où les familles sont plus morcelées, où les moments de transition professionnelle sont eux aussi profondément différents. Et dans le même temps, les Français ne veulent plus jouer non plus le même rôle dans leur rapport au droit. Et je crois que c'est aussi une forme d'innovation sociale qu'il faut saisir. Ils veulent devenir des acteurs de la justice. Ils ne veulent plus avoir systématiquement recours à un juge ou à l'administration. Ils veulent comprendre, défendre eux-mêmes parfois leurs droits quand ils le peuvent. Ils veulent pouvoir, qu'il s'agisse de la consommation, qu'il s'agisse de la vie au quotidien, eh bien, en quelque sorte, pouvoir activer eux-mêmes leurs droits. Et tout cela, les Français le veulent de plus en plus et veulent de plus en plus être, au fond, acteurs eux-mêmes. Et à cet égard, l'avocat, me semble-t-il, a un rôle essentiel, celui d'être un agent de fluidité dans la société, mais en même temps un agent de confiance. Parce que dans cette société du mouvement, il faut des repères, il faut justement des points de passage qui constituent notre état de droit et pour lesquels votre rôle est décisif. Ensuite, vous changez vous-même. J'ai été époustouflé de vous entendre tenir collectivement ces propos et de voir d'ailleurs la transformation qui est en cours au sein de la profession. Mais elle correspond à une transformation des pratiques qui sont à l'œuvre et que chacune et chacun constate sur le terrain. Vous vous adaptez aux évolutions de la société, vous avez relevé de nombreux défis et ils sont encore nombreux à venir en termes de formation, d'organisation. Vous innovez sans cesse pour travailler différemment. Vous êtes confronté à la multiplication des normes, mais à cela, vous adaptez en quelque sorte aussi votre organisation. Et je suis frappé de voir combien la profession elle-même a évolué dans son cadre d'exercice et sa volonté de s'organiser.
en travaillant bien davantage ensemble, en décloisonnant également l'exercice de la profession, en innovant dans les modes de pratique et en innovant, monsieur le Président, vous l'avez dit à l'instant aussi, en se saisissant d'ores et déjà du numérique. Votre profession offre des passerelles, de plus en plus nombreuses avec la vie civile et commerciale. Et vous l'avez évoqué aussi en parlant de cette nécessité de penser le continuum entre les différentes fonctions de l'avocat. Mais des juristes en entreprise, aux chefs d'entreprise, aux autres professions judiciaires, un mouvement naissant est à l'œuvre qui traduit ces transformations progressives à accompagner, à organiser de ce qu'est le droit, la transformation de vos pratiques et les aspirations nouvelles également à l'exercice de la profession. Et puis enfin, le monde du droit change. Un gigantesque marché du droit est en train d'éclore sur Internet. Des sites permettent maintenant de saisir directement les tribunaux pour les petits litiges, à faible coût, et qui ne nécessitent pas de passer par un avocat. Demandez-justice.com, saisir-prud'homme.com, on a une multiplication de ces sites aujourd'hui qui prospèrent. Des sites proposent de monter ou de se joindre à des actions de groupe en collectant des mandats d'action en justice. Et de plus en plus de sites proposent de délivrer des documents juridiques à un moindre coût et dans des délais plus brefs. Alors face à cette transformation, là aussi, il y a au fond deux choix possibles. Le premier, c'est d'essayer de les bloquer et au fond de tout empêcher. Simplement, notre monde est désormais ouvert. Et promettre en quelque sorte qu'on pourra durablement bloquer ces pratiques, c'est s'engager à quelque chose qu'on ne saura pas tenir. Parce que les gens voyagent, parce que les 10 sites seront ouverts à l'étranger et permettront à des professionnels du droit qui ne seront pas français de le faire, et parce que, comme en effet, je l'avais souligné l'année dernière, on a vu beaucoup de ces initiatives prises sur le numérique, au fond développées par les avocats eux-mêmes, mais en étant obligés de demander à être omis ou à se séparer de la profession, ce qui était un contresens manifeste. Et donc, sans considérer qu'on puisse se protéger de ce changement ou prétendre l'empêcher totalement, eh bien la deuxième option, la seule à mes yeux, celle que vous avez décidé de saisir, c'est de l'accompagner, c'est d'en être les acteurs et en même temps d'en penser les bonnes pratiques, puis d'en demander légitimement aux législateurs les bonnes régulations pour protéger nos concitoyens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec la volonté de garantir la qualité de ces nouvelles façons de transporter, d'héberger, de conseiller, il est possible que tout le monde profite pleinement des innovations. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est au fond de ne pas tracer une ligne Maginot-réglementaire qui n'aurait pas eu de sens, mais d'être les acteurs de cette transformation de votre métier. Alors, ce que nous devons faire, c'est en effet vous permettre de saisir ces nouvelles opportunités qui se présentent, pour que vous puissiez maintenir à son plus haut niveau la sécurité juridique des Français et être les acteurs, au fond, de ce renouvellement de la profession. Ma conviction profonde, c'est que la pierre angulaire de notre système judiciaire, ce sont les avocats. Je vous l'avais dit l'année dernière, à travers le maillage territorial crucial, nous en avons beaucoup parlé sur d'autres réformes et dans d'autres cadres, vous êtes les principaux acteurs de la sécurité juridique pour éclairer les Français, les conseiller, prévenir les litiges, assurer leur protection et leur défense, les accompagner dans les moments difficiles. Et ce modèle français des avocats, il faut le préserver. Il faut le préserver parce que pour nos concitoyens, pour notre vie économique, pour nos équilibres territoriaux, il est, je pense, totalement contemporain, moderne et nécessaire. Mais parce qu'en le préservant aussi, c'est la sécurité juridique des Français que l'on préserve. Et voilà pourquoi il faut vous permettre de profiter de cette révolution numérique pour que nous trouvions ensemble les moyens de choisir plutôt que de subir cette révolution. Alors, en tant que ministre de l'économie, j'avais commencé à tenter de vous accompagner dans ces réformes en permettant de créer de nouvelles formes juridiques, des sociétés commerciales communes avec d'autres professions du droit et du chiffre, avec les encadrements requis que nous avions discutés, parce que je pense que c'était accompagner le décloisonnement
des formes d'exercice de la profession. Et là aussi, permettre un meilleur service aux citoyens, aux entreprises, et d'accompagner la transformation des pratiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre. En permettant aussi à votre profession d'investir des activités commerciales au moyen de filiales, je crois qu'on a contribué à permettre à un modèle français de grandir et de ne pas simplement, en quelque sorte, prendre le chemin ou suivre le modèle anglo-saxon. Mais désormais, et vous en avez tressé quelques directions, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut d'abord lever les nombreuses barrières qui vous empêchent d'entrer pleinement dans la révolution numérique. Ces barrières ne viennent pas uniquement de la loi, elles sont protéiformes. Elles viennent des limitations ou des interdictions qui sont faites au référencement des sites tenus par des avocats, elles viennent de l'interdiction d'afficher les activités dominantes, elles viennent de l'obligation faite aux avocats de rencontrer physiquement leurs clients, qui devra être revue surtout dans la perspective de l'arrivée des identifiants numériques et de l'identité numérique. Il ne s'agit pas de penser qu'on va vers un droit qui sera totalement déshumanisé, mais il s'agit de sécuriser dès le début de la relation, dès le début des échanges juridiques, une nature d'acte qui soit pleinement sécurisée dans un cadre légalement défini et qui permette aux avocats d'intervenir au bon moment, soit par le numérique, soit physiquement lorsque c'est requis, mais dans un cadre qui aura été maîtrisé, contrôlé et au fond dont l'environnement légal est absolument sûr dès le début. Dans le même temps, il faut moderniser notre système du droit dans son ensemble. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la justice française est en retard sur cette révolution. Et là aussi, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Pourquoi, dans notre pays, les citoyens ne peuvent-ils pas saisir directement un tribunal en ligne, alors que c'est la règle dans nombre d'autres pays d'Europe? Pourquoi est-il impossible en France de saisir en ligne les tribunaux pour les 800 000 injonctions de payer, alors qu'en Allemagne, cela peut se faire? Pourquoi en France, les avocats ne peuvent-ils notifier toutes les pièces de procédure par voie numérique, quelles que soient les parties, professionnelles ou particuliers, quand c'est par exemple possible en Italie? Pourquoi en France parlons-nous toujours de justice de proximité en affirmant, et vous l'avez très bien rappelé, Monsieur le Président, la nécessité de créer de nouveaux locaux, alors que nous interdisons aux simples citoyens d'accéder de chez lui à la justice sur des actes de base? Toutes ces interrogations ne sont faites qu'en regardant ce qui est déjà fait chez nos voisins. Mais il y en a beaucoup d'autres que vous vous êtes posées et sur lesquelles vous vous interrogez, qui sont les améliorations de notre organisation collective, dont vous êtes les porteurs, dont vous êtes les meilleurs connaisseurs, et qui, d'évidence, doivent contribuer à changer la profession et son organisation. Le numérique ne doit pas être au service de la procédure, c'est la procédure qui doit elle-même être repensée pour tirer toutes les conséquences de ces nouveaux usages, de l'environnement dans lequel nous sommes. Et l'institution judiciaire, comme vous, devra faire sa révolution numérique. Et je crois pour ma part qu'il faut de façon urgente procéder à cette numérisation plus radicale de la justice. Je le crois profondément. L'avenir est aujourd'hui au règlement fortement automatisé des litiges les plus simples, comme c'est d'ores et déjà le cas dans de nombreux pays. Et notre relation à la preuve juridique, à l'authentification juridique dans des délais très courts, devra se faire grâce à ces nouveaux moyens technologiques, pour aussi permettre aux avocats d'accompagner ce mouvement et d'être les acteurs juridiques à haute valeur ajoutée et de sortir de missions qui, au quotidien, vous encombrent, n'ont plus l'intérêt requis et ne correspondent plus à nos usages. Je ne dis pas cela par une croyance aveugle en la révolution numérique, mais parce qu'il y a bien là un moyen pour vous de dégager du temps, de, au fond, vous recentrer sur votre cœur de métier et de rendre aussi la justice plus simple, plus accessible, plus rapide, plus efficace pour tous. On reproche souvent aux professionnels du droit ce qu'ils subissent eux-mêmes. Et je pense que cette révolution, cette transformation des usages, c'est comment rendre le droit à la fois plus efficace pour le justiciable et en même temps beaucoup plus contemporain pour les professionnels que vous êtes. Enfin, l'innovation doit nécessairement s'articuler avec votre déontologie qui constitue le socle de votre profession et la garantie d'une justice forte et protectrice.
Et là-dessus, je veux avoir la même clarté. Nous avons des principes. Nous avons un ordonnancement juridique. Nous avons une tradition juridique au sens fort du terme qui fait que notre droit n'est pas le droit anglo-saxon. Nous y sommes attachés et cette organisation ne doit pas être bousculée par le numérique. C'est précisément parce qu'elle sera en capacité de se transformer avec le numérique qu'elle gardera tout son sens et toute sa force et que nous aurons un modèle français fort et puissant. Et si l'ouverture des données constitue, entre autres, l'une des opportunités, évidemment, pour notre société, avec plus de transparence, va de manière évidente rentrer dans votre quotidien, eh bien, en même temps, le secret professionnel devra toujours prévaloir. L'avocat devra en être le premier garant. Et il faut continuer, et vous me trouverez toujours à vos côtés dans cette bataille, pour se battre sur les principes même. Ce qui fait la clé de voûte de notre organisation juridique. Et je pense qu'on a trop souvent confondu dans les débats contemporains ces principes mêmes, ce qui tient notre droit à son organisation et ce qui fait sa spécificité, et les modalités d'exercice, que ce soit les modalités juridiques et les formes d'entreprise, que ce soit les modalités technologiques ou les usages. Ce sont deux choses radicalement différentes. Et on ne peut pas prétendre défendre avec efficacité nos principes en refusant l'adaptation au monde contemporain. Mais en même temps, on ne peut pas prétendre que l'adaptation aux nouveaux usages, les transformations que nous avons rapidement évoquées, signifient pour autant l'abandon de ce que sont nos principes, parce qu'ils fondent la confiance de nos concitoyens dans notre justice, notre organisation et au fond, notre état de droit. Parce qu'au fond, mes chers amis, je suis profondément convaincu que cette grande cause qui nous réunit fait partie de notre défi contemporain. C'est faire en sorte qu'à nouveau le droit protège les Français. Et donc faire en sorte que vous soyez les plus forts possibles. Et l'innovation le permet. Les avocats et plus largement l'ensemble des acteurs de la justice, vous qui faites la justice, vous êtes l'instrument de l'état de droit et partant de la confiance dans notre société. Et ce combat, c'est le combat commun mené par celles et ceux qui s'inscrivent dans l'action politique, qui veulent défendre l'intérêt général, et celles et ceux qui s'inscrivent dans l'état de droit et défendent la justice dans ce pays. C'est la confiance mutuelle que nous nous devons, le respect mutuel que nous nous devons, et le cœur de ce qui constitue la confiance possible dans notre société. Il n'y aura pas de progrès réel. Il n'y aura pas d'innovation véritable si cette confiance, laquelle se tient par l'état de droit et par les professionnels de la justice, n'est pas au cœur de notre ambition. Ces belles paroles étant dites, il me revient de remettre le prix du jury que vous avez donc décidé de remettre au projet Astra Libre, Laurence Kachimov-Farah, Marie Duhaut, Sarah Bonnet.